la qualification sur l'avant-dernier match. Est-ce qu'il y en a un ici qui aurait cru ça après le match de Galatasaray, après le match aller? Personne. Même les plus optimistes. Donc tout ce que je vous demande, c'est de vous rappeler tout ce qu'on a fait pour être ici maintenant. Les bonnes choses, les trois derniers matchs, et aussi et surtout, ce qu'on n'a pas fait de bien au premier match contre Galatasaray. Look, if you had one shot, one opportunity. Aujourd'hui, avec un match nul, on sera qualifié pour les huitièmes de finale. Avec une victoire, on sera même assuré de la première place avant même de jouer le dernier match. Donc il est clair qu'on va, jouer ce match pour la victoire. Et on n'a que cet objectif-là, et c'est de gagner pour se qualifier. Meegemaakt, dus eigenlijk wisten we niet hoe we daarop moesten reageren. Maar we kwamen binnen, we hebben iedereen scherp gehouden en een beetje in beweging gebleven. Terug naar buiten gegaan en de puntjes op de i gesteld terug. Corner en een verdediger kopt die weg en die komt voor mijn voeten en ik trap die dan ja, op volle ongeveer het paal binnen. Ja. En ik was heel blij natuurlijk. Ja. C'est pas un match facile, on l'a vu tout de suite. L'entame du match n'était pas idéale. Maintenant je pense qu'on a été meilleur qu'eux. On s'est créé des bonnes occasions. Après, je pense que sur les occasions qu'ils ont eues, les occasions franches, on leur a donné. On veut la victoire. Il nous reste 47 minutes. On va la chercher. Ah, je reçois une balle latéralement de Bilal, je pense. Et je réfléchis pas. Je sais que j'ai une occasion à prendre. Et comme j'en ai raté, je me suis dit que cette-ci, je dois la mettre dedans. C'est la dernière, je pense. Et je tente ma chance. Et grâce à Dieu, elle rentre. Ensemble, donc c'est une sensation qu'on peut la sentir qu'en groupe, ça fait plaisir et voilà quoi. On passe à la phase finale maintenant. Dat het bewijs is van dat Anderlecht zeer talentvolle jeugdspelers heeft. En dat dat als groep ook heel goed samengaat. Dus dat is een mooi voorbeeld van talent en samenhang. En eigenlijk vrienden die samen een voetbalmatch spelen en die voor elkaar werken. On est quand même considéré comme un très bon centre de formation en Europe. Et là, ça confirme juste ce que beaucoup de gens dans l'Europe pensent du club. Donc maintenant, ça signifie aussi qu'on travaille bien depuis très longtemps, qu'on a des joueurs de qualité, mais aussi et surtout qu'on sait être compétitif. Et donc ça, c'est...
c'est de bon augure pour l'avenir et pour l'équipe première, parce que ce sont, j'espère, des joueurs qui pourront un jour porter le maillot de l'équipe première. Je voulais, au nom du président, vous féliciter pour le match que vous avez joué ce soir. Il n'y a pas que les résultats, mais surtout la manière. Donc franchement, je suis fier de faire partie de cette famille qui est un exemple pour beaucoup. Donc... Ah, des familles.